Bonjour, je suis Nicolas Souverain, expert en solutions Apple et créateur du site utilisersonmac.com. Dans cette série de vidéos gratuites de formation, je vais partager avec vous ma méthode pour maîtriser l'application photo sur Mac facilement, afin de ne plus demander où se trouvent vos photos. Je passerai également en revue avec vous les deux solutions mises à votre disposition afin de pouvoir posséder une seule bibliothèque de photos, même si vous avez plusieurs ordinateurs à domicile. Et tout cela sans avoir à vous demander sur lequel mettre vos clichés. Apparu avec le système Yosemite, la version 10.10 d'OS 10, Photo est l'application intégrée au Mac pour gérer tous vos clichés numériques. Elle remplace d'ailleurs iPhoto, qui n'est plus supporté par Apple. Le concept de fonctionnement est globalement le même entre ces deux logiciels. Mais évidemment, il y a plein de petites habitudes à prendre quand on passe de l'un à l'autre. J'ai d'ailleurs créé un programme de formation afin de bien comprendre l'application photo sur Mac. Cette formation est adaptée aussi bien aux utilisateurs qui passent d'iPhoto à photo qu'à ceux qui n'ont jamais utilisé l'un ou l'autre. En fait, le but de ce programme est de ne plus bloquer parce qu'on ne sait pas où sont nos photos et plus simplement de ne plus perdre du temps à les chercher. D'ailleurs, si vous maîtrisez l'application photo, vous êtes capable de retrouver n'importe quelle photo instantanément. Mais je vous présenterai ce programme de façon détaillée dans une prochaine vidéo. Pour l'instant, je souhaiterais m'arrêter sur un point très simple, mais qui va se révéler crucial si vous voulez partir sur de bonnes bases afin de bien comprendre l'app photo. Ce point crucial peut être résumé en une question. Où sont mes photos sur mon Mac ? En fait, je vais transformer cette question en une autre. Où se trouve ma bibliothèque de photos ? Si je vous parle de bibliothèque, c'est parce que cette application est en fait une base de données de photos. Donc, tous vos clichés sont regroupés au sein d'une bibliothèque qu'il serait bon de localiser sur l'ordinateur. Alors, bien sûr, je ne vais pas répondre à cette question en 10 secondes. En fait, il est possible de mettre cette photothèque où on le souhaite. Donc, dans un premier temps, je vais vous montrer où elle se trouve par défaut. Puis je vous montrerai comment la mettre ailleurs et surtout pourquoi la mettre ailleurs. L'emplacement par défaut de cette photothèque est plutôt logique. Vous avez sur votre Mac une petite maison qui correspond à votre dossier utilisateur. Et bien à l'intérieur de ce répertoire, il y a les dossiers bureau, documents, images. Bon, je m'arrête là, vous aurez compris que c'est à l'intérieur de ce dossier images que vous allez trouver par défaut votre bibliothèque de photos. La voici. Par contre, elle est représentée sous la forme d'un document, pas d'une multitude de photos. Cette représentation est là tout simplement pour éviter d'effacer l'une des photos de cette photothèque sans passer par l'app photo. Car il faut être bien clair là-dessus, si vous utilisez l'application photo pour gérer vos photos numériques, ce n'est pas pour passer par le Finder pour les supprimer ou les modifier. Cependant, je vous montrerai quand même à la fin de cette vidéo comment vous pouvez accéder malgré tout à vos photos via le Finder. Et je vous expliquerai surtout dans quel contexte il peut être intéressant de le faire. Mais donc, pour en revenir à cette photothèque, si je souhaite l'ouvrir, je clique sur l'icône de mon app photo. Bon, jusque-là, je ne vous apprends rien. Mais sachez cependant qu'il existe une autre façon de l'ouvrir, cette bibliothèque de photos. Pour cela, il suffit tout simplement de double-cliquer dessus. Et l'application photo ouvre ma photothèque. Alors, pourquoi je précise que l'on peut double-cliquer sur la photothèque alors qu'il suffit de cliquer sur l'icône du logiciel ? Eh bien, tout simplement car avec cette technique, vous allez pouvoir déplacer votre photothèque. Si vous souhaitez par exemple qu'elle soit accessible de tous les utilisateurs du Mac, il vous suffira de déplacer cette bibliothèque de photos dans le dossier partagé de votre ordinateur. Je rappelle que ce dossier partagé est accessible de tous, ce qui n'est pas le cas du dossier image qui n'est accessible que par le propriétaire de la session. Et une fois ce déplacement réalisé, il suffit de double-cliquer dessus pour y accéder. Donc maintenant, si je rajoute des photos dans mon logiciel, elles seront toujours stockées dans la photothèque, mais plus précisément dans mon dossier partagé. Alors, juste une précision, et elle est importante. Vous pouvez, pour ouvrir une photothèque, ou même pour en créer une nouvelle, car il est tout à fait possible d'en posséder plusieurs sur son Mac, utiliser la touche Alt de votre clavier. En gros, lorsque Photo est fermée, il vous suffit de presser cette touche Alt. Et pendant qu'elle est appuyée, eh bien, vous cliquez sur l'icône de votre logiciel.
une boîte de dialogue s'ouvrira et vous pourrez soit localiser votre photothèque, soit en créer une nouvelle. Cette technique de la touche Alt est vraiment à retenir car elle n'existe pas que avec l'application Photo. Vous pouvez très bien l'utiliser avec d'autres applications Apple qui fonctionnent selon le principe de base de données. Vous voulez des exemples ? iTunes, iMovie ou même Final Cut Pro 10. Donc retenez bien cette technique. Mais d'ailleurs, pourquoi utiliser plusieurs photothèques ou du moins pourquoi modifier l'emplacement de celle d'origine ? Pour plusieurs raisons. La première, je l'ai déjà abordée. C'est tout simplement pour avoir la possibilité d'utiliser la même bibliothèque pour plusieurs utilisateurs d'une même machine. Si je la place dans le dossier partagé qui est accessible de tous, tout le monde pourra y accéder. Il y a cependant une limitation. Pour qu'un utilisateur puisse ouvrir cette photothèque, il ne faut pas qu'elle soit déjà ouverte par quelqu'un d'autre. Mais je vais aller plus loin en vous faisant remarquer que vous pouvez partager une photothèque entre plusieurs ordinateurs. Si je la place dans un dossier de mon Mac qui est accessible des autres ordinateurs de mon réseau local, cela marchera également ? Alors, je ne vais pas vous faire un cours sur le réseau, mais sachez que si tous vos ordinateurs sont reliés à la même box internet ou au même routeur, ils sont automatiquement sur le même réseau. Il n'y a plus qu'à activer le partage de documents pour pouvoir, entre autres, accéder à une photothèque à partir d'un autre ordinateur. Et d'ailleurs, regardez. Pour activer ce partage, il suffit d'aller dans les préférences système, puis partage. Il y en a plusieurs types de proposés et c'est celui-ci que je cocherai. Une fois que c'est fait, le Mac sur lequel je suis en ce moment sera visible des autres ordinateurs. Donc si vous avez fait la même chose sur vos autres Mac, vous pourrez visualiser leurs données à partir du Mac qui est sous vos yeux. Les ordinateurs allumés de mon réseau apparaissent ici. Et si je souhaite aller sur mon iMac professionnel, je n'ai qu'à cliquer dessus. Puis à me connecter comme. Je n'ai plus qu'à rentrer l'identifiant et le mot de passe de la session sur laquelle se trouvent les documents que je souhaite ouvrir. Dans le cas de cet exemple, je vais rentrer dans ma session personnelle et non dans celle de démo. Et je vais pouvoir naviguer dans le Finder de mon iMac. Regardez, si je souhaite aller dans le dossier images, certaines fois c'est le nom anglais qui apparaîtra, je constate que j'ai plusieurs photothèques. Eh bien, il ne me reste plus qu'à double-cliquer sur l'une d'elles pour y accéder. Alors, bien sûr, la vitesse de votre réseau ralentira ou pas l'accès à cette photothèque. En définitive, nous venons de voir que l'on peut très facilement centraliser les photos de plusieurs utilisateurs, qu'ils se servent ou pas d'une même machine, mais également qu'avec la même technique, la fameuse touche Alt, il est possible pour ceux qui possèdent plusieurs Mac de n'avoir qu'une seule photothèque. Eh bien, j'aimerais maintenant vous montrer une technique encore plus simple qui est à utiliser lorsque vous possédez plusieurs Mac. Je veux parler de la photothèque iCloud. Alors, pour commencer, qu'est-ce qu'iCloud ? Très rapidement, c'est un service, ou plutôt ce sont des services internet que propose Apple. La création d'un compte iCloud est gratuite. Ce sera d'ailleurs le même identifiant que votre compte iTunes Store, si vous en avez un. Et parmi toutes les fonctions que proposent ces services, il y a la photothèque iCloud. En bref, la bibliothèque de photos, qui est par défaut dans le dossier images, peut se retrouver dans iCloud. Donc, dans Internet, sur les serveurs d'Apple. Alors bien sûr, le but de tout ceci n'est pas qu'elle soit uniquement sur les serveurs d'Apple. En fait, cette bibliothèque dans le nuage se synchronisera avec tous vos appareils, du moins tous ceux pour qui vous le demandez. Donc même si vous n'avez pas Internet à un moment donné, ça ne vous empêchera pas d'accéder à vos photos déjà synchronisées. Mais donc, comment cela va-t-il se passer ? Direction mon Mac, où je vais commencer par aller dans les préférences de l'app Photo. Dedans, si ce n'est pas le cas, je vais pouvoir demander à Photo de considérer cette bibliothèque comme ma photothèque système. Bon, c'est déjà le cas chez moi. Attention, cette action est très importante puisque seule la photothèque système peut être une photothèque iCloud. Une fois que ce point est respecté, il ne vous reste plus qu'à aller dans l'autre onglet des préférences de l'app Photo, l'onglet iCloud. Et regardez, on me propose de cocher la case photothèque iCloud. Et mes photos sont en train d'être envoyées dans le nuage. Bon, par contre, il est temps de parler du premier écueil.
Je vous ai dit tout à l'heure que la création d'un compte iCloud était gratuite. Je n'ai évidemment pas menti. Par contre, je n'ai pas encore précisé qu'Apple ne propose que 5 Go de stockage avec iCloud. Ou du moins, ne propose gratuitement que 5 Go de stockage. Donc bien sûr, si vous utilisez la photothèque iCloud, vous allez forcément avoir besoin de dépasser ces 5 Go rapidement. Donc d'acheter du stockage en ligne. Ces prix ne sont pas figés dans le temps, mais juste pour vous donner un ordre d'idée, à l'heure où je tourne cette vidéo, voici les tarifs que propose Apple. Donc il est possible de passer à 50 gigaoctets de stockage pour moins d'un euro par mois. Bien sûr, il y a des forfaits bien plus élevés. Je mettrai dans la description de cette vidéo le lien de la page que vous avez sous les yeux. Car suivant la date à laquelle vous regardez ma vidéo, ce ne sera peut-être pas les mêmes prix de pratiquer. Autre précision à apporter, l'envoi lors de l'activation de la photothèque iCloud peut être long, voire très long, suivant votre connexion internet et surtout suivant le nombre et la taille des photos présentes. Donc évidemment, je vais accélérer au montage cette étape chez moi. Mais puisque je parle de cette étape, n'hésitez pas à jouer sur les deux réglages que proposent les préférences. Est-ce que vous souhaitez que les originaux soient sur votre Mac? Ou pas? Bien sûr, ce sera une question de place disponible sur votre ordinateur Apple. Dans tous les cas, une fois que la photothèque est bien dans le nuage, c'est mon cas maintenant, je vais pouvoir l'utiliser sur tous mes ordinateurs dans lesquels j'aurai coché la case photothèque iCloud des préférences de l'app photo. Je ne vais pas le faire dans cette vidéo, c'est exactement la même chose que ce que je viens de faire à l'instant. Je précise juste que si vous activez cette option sur une photothèque qui possède déjà des photos, on va l'appeler la photothèque de mon iMac, ces dernières seront fusionnées avec celles que vous venez de voir sur mon MacBook Air. Donc les photos de l'iMac viendront sur mon MacBook Air. Et les photos de mon MacBook Air qui sont sur iCloud, je vous le rappelle, iront sur mon iMac. À partir de là, j'aurai les mêmes photos sur mon MacBook Air et sur mon iMac. Sous réserve bien entendu qu'ils soient connectés à Internet pour synchroniser ces clichés. Mais justement, puisque je parle d'Internet, je n'en ai pas fini avec la photothèque iCloud. Elle n'est pas disponible que sur mes ordinateurs. Je peux la consulter et même rajouter ou supprimer certaines photos directement sur Internet. Vous ne me croyez pas? On va les vérifier. Je vais commencer par ouvrir Safari et je vais aller sur www.icloud.com. Je précise tout de suite que Safari n'est pas le seul navigateur capable d'afficher ce que je vais vous montrer. Mais je rajoute une chose importante, si votre navigateur est trop ancien, cela ne fonctionnera pas. Bon, une fois logué dans iCloud, je vois une icône photo. Et je retrouve dedans les photos que j'avais sur mon MacBook Air. C'est normal puisque je retrouve ma photothèque iCloud. Vous pouvez, en cliquant sur « Sélectionner des photos », en supprimer. Je vais même mettre l'app photo de mon Mac d'un côté de mon écran pendant que je les supprime d'iCloud de l'autre côté. Bon, je ne vais pas accélérer ma vidéo montage afin que vous puissiez juger de la vitesse de synchronisation. Mais donc, il faudra, suivant votre connexion Internet, patienter quelques secondes pour que vos différents appareils se mettent à jour. Voilà, c'est fait sur mon MacBook Air. Bon, je peux maintenant vous montrer le système inverse. J'ai un bouton « Charger » sur mon interface en ligne. Cela me permet de rajouter des photos. Mais par contre, là, je vais accélérer la vidéo puisque le rajout de photos et l'envoi de données en général via une connexion Internet est toujours plus long que le fait d'effacer une ou plusieurs photos d'une base de données en ligne. Ça y est, mes photos sont sur iCloud.com. Donc si je regarde dans mon app photo, je vais les retrouver. Elles sont ici. Bon, eh bien c'est pas mal tout ça. Avec la photothèque iCloud, vous cumulez en fait deux avantages. Le premier, c'est qu'Apple utilise des techniques de sauvegarde certainement plus fiables que celles que vous et moi utilisons. Et donc vous avez moins de chances de perdre vos photos si elles sont dans le nuage. Mais attention, je ne suis pas en train de vous dire de ne pas les sauvegarder chez vous, loin de là. Vous devez savoir à quel point je considère la sauvegarde comme primordiale. Le deuxième avantage, c'est que vos photos sont sur tous vos périphériques, sans que vous ayez à faire quoi que ce soit. Et pour tous ceux qui se disent qu'on ne parle que des Macs depuis le début, oui, c'est vrai. Mais on peut évidemment intégrer cette photothèque iCloud à l'iPhone, l'iPad et l'iPod Touch, sous réserve qu'ils soient équipés au minimum d'iOS 8.3.
Si ce n'est pas le cas chez vous, je vous invite à vérifier si vous pouvez mettre au moins ce système dessus. Bon, de mon côté, mon iPad mini est avec ce système minimum, et donc je vais pouvoir vous montrer dessus comment ça fonctionne. Je vais tout de suite aller dans les réglages de photos et appareils photo. Bien entendu, il faut que ce soit le même compte iCloud enregistré sur mon iPad et mes Mac. C'est le cas chez moi. Je vais maintenant activer la photothèque iCloud. Alors bien sûr, vous devez savoir que lorsque l'on synchronise ses photos avec un ordinateur, on passe par défaut par iTunes. Et vous devez aussi savoir qu'on ne peut le faire qu'avec un seul ordinateur à la fois. Donc là, je change les réglages. Je ne vais plus utiliser iTunes pour synchroniser, mais la photothèque iCloud. Et je vais accélérer grandement ce qu'il va se passer pendant quelques minutes pour arriver directement à la fin de la synchronisation de ma bibliothèque de photos. Vous avez évidemment les mêmes réglages que ceux proposés sur Mac. Et les iPad ou iPhone, ayant des capacités inférieures à ce que l'on a sur un ordinateur, ces réglages sont à mes yeux encore plus importants ici que sur les Mac. Mais bon, passons à la vérification. Je vais aller dans mon app photo. Donc là, cette fois-ci, c'est photos pour iOS. Et je vais retrouver les photos qui étaient sur mon Mac. Mission accomplie. Je vous ai montré comment posséder une seule bibliothèque de photos, même si vous possédez plusieurs appareils. Et tout cela sans avoir à vous demander sur lequel mettre vos clichés. Bon, il me reste quand même une chose à aborder avec vous dans cette vidéo, puisque je vous avais dit que je vous montrerai comment vous pouvez accéder à vos photos via le Finder. Juste après cette dernière astuce, je vous indiquerai comment accéder à la deuxième vidéo gratuite de formation que je propose pour maîtriser l'application photo sur Mac. Cette deuxième vidéo abordera les 5 façons de partager vos photos. Et je la juge très importante puisque certaines techniques de partage sont peu ou pas du tout utilisées, alors qu'elles sont très pratiques. Mais comme je vous le disais, voyons maintenant comment accéder aux photos présentes dans l'app du même nom, mais via le Finder. Pour cela, c'est très simple, mais attention. Alors, c'est très simple parce qu'il suffit de localiser la photothèque et ensuite d'effectuer un clic secondaire dessus pour afficher le contenu du paquet. Ensuite, vous pouvez retrouver dans ce dossier vos photos, mais attention, je vous demande de ne pas utiliser cette astuce chez vous. En fait, ce que vous avez ici correspond à l'organisation de l'app photo. Donc si vous changez cette organisation, en gros si vous effacez certaines photos, en le faisant exprès ou pas, vous risquez d'endommager votre photothèque. Et ce n'est pas le but. Donc je vous montre uniquement cette astuce pour le cas où vous auriez un problème avec votre photothèque et que Photo ne voudrait plus l'ouvrir. Si c'est le cas et seulement si les raccourcis de maintenance n'ont pas fonctionné, je n'ai pas le temps d'en parler, mais il existe effectivement des outils de maintenance au sein même de l'application photo, vous ne perdrez pas vos photos, puisque vous pourrez, au pire, les récupérer en affichant le contenu du paquet. Mais sincèrement, faites attention avec cette astuce. Si vous créez un problème sur votre photothèque, à cause de ça, je ne suis pas responsable. Comme je vous l'ai dit en début de vidéo, si vous utilisez l'application photo pour gérer vos photos numériques, et je vous invite à le faire, ce n'est pas pour y accéder ensuite via le Finder. Il faut être cohérent. Mais il est temps maintenant pour moi de vous indiquer comment suivre la prochaine vidéo gratuite de formation dédiée à l'app photo sur Mac, puisqu'elle ne sera pas disponible directement sur ce site. Pour cela, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien qui apparaît maintenant sur l'écran. Si vous êtes sur un smartphone ou une tablette, vous ne pourrez pas cliquer dessus, mais j'ai rajouté dans la description de cette vidéo, donc soit dessus, soit en dessous, le lien en question. Lorsque cela vous sera demandé, vous rentrerez votre adresse email. Dès que la prochaine vidéo gratuite sera disponible, je vous préviendrai et je vous enverrai le lien privé afin de la regarder. En attendant, et comme je suis quelqu'un d'assez curieux, je vous demande de me dire en commentaire, juste en dessous de cette vidéo, si vous vous servez de la photothèque iCloud. Et si vous ne vous en servez pas, n'hésitez pas à me dire pourquoi. Je vous dis à très bientôt afin d'approfondir ensemble les 5 façons de partager vos clichés via l'app photo. Et vous verrez. L'une des solutions est très très simple mais va certainement vous surprendre.